Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Je n'ai pas accès à mes panneaux latéraux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je n'ai pas accès à mes panneaux latéraux. What? Alors, commande. Préglage. Mode tableau de bord. Changement de mode. What? Je crois que c'était 1. Je crois que c'était 3. What the fuck? Pourquoi ils ont disparu? Ah bah c'est cool! Et au milieu j'ai pas celui de... Bon... Ah. Commande. Changement de mode. Ça. Communication rapide, d'accord, ok. Bord rôle, j'imagine que c'est le 2. Mais ouais, c'est bizarre les touches qui disparaissent comme ça d'un seul coup. Voilà, parfait. Hop, bon, on reprend notre quête d'illégalité, chers amis. Je vous rappelle que nous sommes en recherche de commandes de 3 cargaisons illégales maintenant. Tout simplement pour. Hop. Pour comment les revendre dans 3 marchés différents et nous assurer la sympathie, on va dire, d'un des ingénieurs qui nous permettrait d'améliorer notre armement à l'heure actuelle. Ce qui serait. Mais qu'est-ce que c'est que ces bugs de jeu? C'est quoi ce bordel? Il y a eu une mise à jour, mais... Enfin, je crois qu'il y a une mise à jour, mais... C'est full buggé maintenant, en fait. Enfin, bon. Une nouvelle cible. On est toujours donc à la recherche de... tout simplement. De... objets à récupérer dans l'espace. Toujours sur le principe de la récupération et non du kill pour limiter l'illégalité de nos actes. Ce serait peut-être pas mal. Alors, source signal non identifié. Voyons, la 192 SL, elle est loin. Émission encodée, détectée, menace 0. J'ai jamais su trop quoi penser de ce genre de choses. Donc à vrai dire, on va y aller. Ah, bah c'est marrant, il m'affiche menace 1. Non, ça doit être un 0 qui est mal fichu. Ok. Et donc on pourra y rentrer à moins de 10 millions de mètres. Milliards de mètres? Excellente question. Non, parce que normalement million c'est un B parce qu'ils disent billion. Milliard c'est un B parce qu'ils disent billion en anglais. Je vais y arriver, chers amis, je vous assure que je vais y arriver. Oh, j'en chie. Bon, faudrait un café. Qui se dévoue pour aller me faire un café? Non, je suis pas assisté à ce point. C'est faux. Hop, on y va. Émission encodée détectée. Parce qu'on a un cadavre de vaisseau, parfait. Deux minerais. Cependant, je dois admettre que je m'attendais à un peu plus intéressant. Bah alors, voilà. Il y a plein de bugs ou c'est moi? Parce que là il me dit rétracté alors que le bouton n'était pas bleu mais bleu, il me semble. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va cependant quand même allumer les phares et faire de voir un petit peu ce qui s'est passé. Il y a un vaisseau qui a pris extrêmement cher quand même. Hein. Je pourrais pas vous dire quel modèle, mais il a pris extrêmement cher. Là on dirait un bout de Sidewinder ou de Cobra. Là on dirait un bout vite fait de Vulture. Hein. Et encore, je dis vraiment vite fait. Hein. Hop. Mais bon, ce n'est pas ce qu'on cherche, malheureusement. Wouhou! Ce n'est pas ce qu'on cherche pour être plus efficace au combat. Hop. Bon, on va se diriger par là, oui. C'est loin.
C'est loin, c'est loin. Hop. C'est pas grave, en soi, on cherche juste les zones, les signaux. On va pas non plus jusque sur la zone. Bon, regardez, hop. Crac. Sur final, on a fait. Excusez-moi, j'en ai mis. Je regardais tous les trucs au niveau des commandes des ingénieurs. Et c'est vraiment sympa. Hein. Il y a une grosse quantité d'ingénieurs. Peut-être qu'on se renseigne sur leur découverte un petit peu. Hop, allons-y. Émission de mauvaise qualité détectée. Ça peut indiquer un vaisseau détruit. Ce qui peut être une bonne chose parce que si, en plus, surtout si on voit un truc en partir, normalement c'est plutôt bon signe. Ça peut être une bonne chose vu qu'en fait, bah écoutez, qui dit vaisseau détruit dit potentiel, potentiel de commande de cargaison illégale. C'est le deuxième truc qui en sort ou je rêve? Alors. Alors. On y est presque. Hop, j'ai boosté un petit peu parce que vous voyez qu'on est descendu dans la vitesse qu'il fallait, donc c'était bon. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Illégal en cette juridiction, parfait. Illégal, il y en a que deux, ah non, il y en a plus que ça, génial. Génial. Hop, va chercher tout ça. Va chercher tout ça. Va-t-il me chercher que les marchandises illégales ou pas? Je serais curieux de savoir. Le mec, il tente des choses. Allez, va me chercher tout ça. Hop. Oui, je t'ouvre ça. Voilà. Non. Arrête-toi, j'ai dit. Je crois que je suis rentré dans mon... dans mon drone. Et que j'ai potentiellement brisé la cargaison. Je ne sais pas. Je vais arrêter de bouger. Je vous retrouve dans un instant, une fois qu'il aura récupéré tout ça. A tout de suite. Re, chers amis, donc nous avons ce qu'il nous faut. Maintenant, on va se barrer. On va aller dans une autre... dans un autre secteur. Je pense qu'on va aller principalement... tiens, on va aller à Caris. Crac. Oups, pardon. Voilà. Et on va trouver la première station. On va fournir le truc. Après, on va refaire ainsi de suite. Jusqu'à débloquer l'accès à l'ingénieur. Et on verra ensuite ce qu'il faut pour tout simplement... devenir copain, enfin le faire en sorte qu'il l'accepte de nous fabriquer des choses. Alors ce qu'il faudra voir par la suite, ce qu'il crée, enfin ce qu'il permet de faire et surtout à quel tarif. Oula. Hop. Alors, forcément, on va tomber sur un système où il n'y aura rien dedans. Si, c'est bon, il y a des choses. Il y a des choses et c'est pas trop loin. Hop. Ça tombe bien. Ça va pouvoir aller un peu plus vite que prévu. Cependant, on a beaucoup de cargaisons illégales. En l'occurrence, 5. D'ailleurs, les périphériques d'autostockage cryptés, je voudrais bien les larguer. Hop. Voilà. Je veux être sûr de pas... pas avoir de problème avec ça. Prototype technologique. Intéressant ça. Ça rapporte, dis donc. Ok. Il n'y a plus qu'à espérer. Qu'on ne se fasse pas scanner avant de rentrer. Si on se fait scanner, on est recherché. Si on est recherché, c'est pas bon. Je pense que vous l'aviez compris. Alors. Hop, en douceur.
Crac, c'est bon. Alors. Dis-moi qu'on arrive pile en face, ça serait cool. Oh, c'est long. Dis donc, la connexion serveur est un petit peu lente aujourd'hui. Hop. Crac. Il y a beaucoup de vaisseaux dehors. On va essayer de longer le truc. Hop. Oula. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah putain! Dommage. Dommage, dommage. C'est pas grave. Tant que je me fais pas tirer dessus. Honnêtement. 35, c'est où? T'as 35, c'est... Oh là 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 là. Le fifou. 35, c'est où? Putain. Ah. Ça y est. Je crois que ça doit être ça. Oui, oui, bah écoute, je fais ce que je peux. Hop. Putain, fait chier, dire qu'on s'est bouffé la... Dire qu'on s'est bouffé l'amende à 30 000 crédits, fait chier. Hop, je me pose. Sans dégâts, c'est faux. Non, non, honnêtement, ça s'est joué à rien. Mais du coup, ils m'ont interdit mes trucs? Non, même pas. Je suis stupide. Merci. Contact. Marché noir. Je vends des marchandises illégales. Tiens. Hop, je paye l'amende, y'a pas de soucis. J'encaisse les primes reçues, pas de soucis. Et on repart. On est d'accord, normalement. T'imagines que ça va passer quand on aura... Quand on aura la suite, ok. Alors, alors. C'est parti. J'annonce, je vais me barrer à vitesse grand V parce que le problème c'est qu'on est recherché. Hop. Crac. Allez, on bourre. Enfin, non, on n'est pas recherché apparemment. C'est marrant, là, on a une cargaison illicite et ils sont au courant et ils veulent pas me punir. Hop. Putain, on est redescendu, regardez. On est amico, on était alliés, maintenant on est redescendu à amico. Oh non. J'espère que c'est pas à cause de l'infraction. Dites le moi si vous le savez dans les commentaires. Je m'excuse, moi j'ai donné un gros coup de pied dans le pied du micro. Dites le moi dans les commentaires si vous savez que c'est, si c'est à cause de ça. Pas, quand même pas, ce serait complètement terrible. Ce serait terrible. Hop. Ici nous avons quoi? Alors attendez, c'est quelque chose. Ouais, mais c'est loin. C'est loin. 364 000 SL, c'est loin. On va aller à Handel. Tiens, c'est un joli nom. Hop, c'est un joli nom, c'est un joli nom. Si je pouvais écouler mon stock, ce serait cool. Par principe. On est toujours à 2 sur 5. Ça m'inquiète un peu cette histoire. Ça m'inquiète un peu cette histoire. Je vérifie.
avoir fait du commerce avec au moins 5 marchés noirs. Je viens d'en faire. Je fais pas ta saloperie. Tant que ça charge. Ok. Alors. Aucune station. 1800 SL, ça fait un petit peu de route hein, quand même. Hein. On va pas se voiler la face. Si c'est pour se planter à l'arrivée, c'est pas bon. On va quand même aller faire un tour. Ça devrait pas être trop long. Ça devrait pas être trop long. Je vais légèrement augmenter la vitesse, on verra bien. Ah là là. Ça devrait pas être si long. Faut l'espérer. Mais ça m'inquiète cette histoire d'ingénieur là. J'ai pas l'impression que ça ait fait quoi que ce soit. Même si la barre est à 3, actuelle 2 sur 5. Ça que je comprends pas. Ah là là. Le jeu est vilain avec moi. Le jeu est véritablement vilain avec moi. Ok. Je regarde parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Ok. Hop. D'accord. Donc ça vient avec les effets spéciaux et ils sont très rares sur les premiers niveaux. Donc en gros faut espérer des niveaux plus importants. Avec les comment, les ingénieurs. Why not? Ok, excusez-moi, j'espère que je vais pas le louper. Non c'est bon. Ok. C'est bon, on y va. En espérant qu'on est en face et qu'on va pouvoir booster. Ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé d'être en face de la station. Oh mais t'es pas sérieux. Hop. Non, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai même pas encore vu la station. 8, 9 et 10. Baiser. J'ai même pas encore vu l'entrée. Et ben voilà. Attendez. Ils sont censés être par là. Ah mais je suis paumé, ça y est, je suis complètement paumé. C'est génial de pas apparaître devant. Alors je sais que je pourrais utiliser mes heatsink pour pas être repéré. Mais quand bien même, c'est pas là le but, je veux dire... Oh non, rien. Rien. Je veux rien dire. Faut mieux que je dise rien parce que sinon je vais encore rager. Il n'y a aucune finesse, je trouve, dans cette... Enfin non, oui, enfin, il y a de la finesse, mais c'est extrêmement complexe.
est extrêmement mal fichu en fait. C'est-à-dire que il faut éteindre tous ces trucs. Il faudrait un truc pour passer en mode. Ah bah y a un mode, hein. Y a un mode je crois en plus. Y a un mode discret en plus, je crois. Remarque, je suis en train de dire de caca ça se trouve. Hein. Mais je crois qu'il y a un mode genre low température, un truc comme ça. Service de spatioport. Alors ça se trouve en plus moi je me fais choper. Il n'y a pas de marché noir. Putain. Je me bouffe une amende alors qu'il n'y a pas de marché noir. Fais chier. Fais chier. Il y a une station pas loin? Non. Eh ben on va aller à Lana. Lana juste pour la référence à Smallville. Voilà, c'est dit. C'est dit. Pim 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 pim. Alors, Calogero sort de ma tête. Oui, j'ai bourré le airlock. Voilà, j'ai bourré le airlock. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai complètement bourré le airlock. Ça n'a pas touché, j'ai du bol. J'ai complètement bourré le airlock. D'accord. Alors, serrez les fesses, croisez les doigts. Pour qu'on ait une station avec un marché proche de la, de la première étoile. Enfin, les deux étoiles d'arrivée, parce que voilà, je m'en doutais que j'ai dit un truc et le jeu m'a contredit. Ça va, 114 SL, c'est pas excessif. Je voulais voir, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a encore nos matériaux? Oui, parfait. D'accord. J'espère qu'on en a déjà quelques-uns qui sont intéressants pour le bonhomme. Zirconium, non? C'est pas rare, si. Faut quoi comme minimum, en fait? Parce que j'imagine que les trucs les plus communs, ils en utilisent pas. Ce serait trop facile. Oh, non, 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 je respecte-moi un peu, s'il te plaît. C'est à peine s'il freine. C'est à peine s'il freine. Alors, on a avancé finalement dans les noms, dans les chiffres de l'ingénieur ou pas? Oui, 3 sur 5. Il m'affiche 4. Mais 3 sur 5. C'est bon, on a avancé dedans. C'est toujours ça. Il manquerait plus qu'il me demande du fric. Avec tous les trucs qu'on est en train de perdre à cause des commandes des comment que s'appelle des primes là qu'on se prend, des prunes qu'on se prend justement plutôt. À cause de la cargaison, il manquerait plus qu'il nous demande du fric, genre 5 millions ou un truc comme ça à la fin. Ou 10 millions. Tiens, tu veux mes armes? Paye d'abord. Je paye quoi? Bah écoute, mon salaire d'honnête ingénieur. Oui, 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 oui. Oui, j'ai balancé un dissipateur thermique. Oui, j'ai balancé un dissipateur thermique. Et alors? Non! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon, je suis passé. Oui, je suis passé plein de balles. Hop. Je suis passé plein de balles. J'ai boosté. Non, j'ai pas boosté, remarque. J'aurais pu. Mais j'ai trouvé juste, par contre, ce passage. Oh, bah non, je viens taper dans le truc. Seriously? Seriously, bro? Alors. Bon, on se pose. Hack. Entrée dans l'hangar, service de spatioport. Pourquoi j'entre dans l'hangar? Parce que, en fait, vu que la barre est à 4 et que le chiffre est à 3, j'ai envie de voir si oui ou non il y a possibilité de se déconnecter, de se reconnecter et de dire: oh tiens, ta barre est à 4, ta barre est à 5,
Intéressant. Ouhouhou. Oui, c'est pas par là que je voulais aller. Hop. Contact. Et il n'y a pas de marché noir. Si, il y en a un. Parfait. Il y en a un, il y en a un. Je veux bien que tu me les reprennes. Je te vends ça aussi pour la forme. Merci. Alors. Ingénieur. Ah, c'est toujours pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre dans le coin? Chantier naval, est-ce qu'ils ont un... Oh, ils ont 6 vaisseaux, Cobra... Oh non, ils n'auront pas. Dommage. Le petit Eagle, toujours aussi sympathique. Ok. Pour rappel, chers amis, ils vendent des ship kits, ce qu'ils appellent des ship kits, qui sont en fait des améliorations visuelles de vaisseaux. Exemple. Ici, vous voyez, donc sur les bords, c'est tout plat. Mais à rajouter, par exemple, des espèces de missiles aux extrémités des ailes du Eagle, par exemple. Voilà. Voilà le genre de choses que le jeu... Enfin, que le ship kit vous permet de le faire. De mémoire... Attendez, je vérifie ce que je dis. Ok. Je vérifie juste qu'il y ait que le nombre de vaisseaux dont je parle, parce que sinon je vais me tromper. Voilà. De mémoire à l'heure actuelle, donc, enfin non, vérifiez à l'heure actuelle maintenant. Il n'y a que le Cobra MK3, le Sidewinder et le Eagle qui ont accès à ces chip kits. Ship kits plutôt. Ok. Réparation, est-ce qu'il y a besoin? Oui. Crac. Ravitaillement, non, ça va. Eh bien écoutez, les amis, du coup, on va se laisser là. Pour cet épisode, je pense. Donc écoutez, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Et n'hésitez pas encore une fois à pouce vériser et à vous abonner. Hein. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!